When I was driving, I had this light, like engine too hot. Oh shit, look at my plate. La montée, elle est dure, frérot. Allez, courage. Chance, frérot. Arrête. Wow. Oh ouais, lui, putain, il a carrément perdu un... Il a carrément perdu un enjoliveur, lui. Oh, putain, c'est dangereux, ça, quand même. Hein. T'imagines, tu te le prends dans la gueule. C'est tombé. Je sais pas qui c'est qui a perdu son truc là. C'est peut-être le tour en devant. Quoique, non, je sais pas. Ouais, tu vois, c'est des enjoliveurs comme la Auris là, en plastique. Ouais, bah je suis bien content de ne pas me l'être pris dans la gueule. Ouais, gros son Audi à lui. Hein. Waouh. Ça, c'est la A8, je crois, celle-là. Avec l'aileron là qui. Le petit béquet. Vous en avez 80 kilos là. Ça ne paraît pas, hein. Il faut pas le faire chier, lui. Je vais te briser tes os, il a une prototype de hache dans les mains. Lui, il rigole pas trop, lui. Hey, ils sont chauds aujourd'hui, là. C'est un fumon, hein! C'est un fumon bien! Eh ben, c'était bien sympa! Dommage que j'avais pas mon petit zoom en sac à dos! Mais c'était sympa! Ils sont chauds aujourd'hui les Danois, voilà. Je sais pas ce qu'ils ont là, ils sont chauds. DGC de police? Non. Ok. This temperature, you said 115, 18. 115? That's a lot. While you were driving? Yeah. And it says here normally it should say 75 to 82 degrees. Yeah. While driving normally, so maybe there is not enough oil cooler. Okay, ask him for the cooler. Yeah. If it has been changed recently. The fluid. Yes. Yeah. It drives normal. The only thing is the heat. It seems like it's very warm. Mm-hmm. 104. Yeah, because the ventilator is on. Yeah. The pressure on the front tire is not good. Also. It needs to be Ah ouais. Bon, nous voici sur un GSX-R 600 les amis. Ah, il y a des vibrations dans... Ah ouais, il y a des vibrations de ouf. Donc je suis en train de tester cette moto, donc qui a 60... quasiment 63 000 km. Donc elle a passé le contrôle technique parce que ici au Danemark le contrôle technique est obligatoire quand tu veux vendre une moto. Regarde au niveau du rétro quand je pile. Regarde bien au niveau du rétro. Oh, il y a pas mal de vibrations. 111 degrés. Ouais. Normalement tu devrais pas être à 111 degrés. Bah oui, je comprends pas pourquoi elle est à 115 degrés en fait. Normalement elle devrait pas continuer à monter comme ça. 116 degrés. C'est pas bon ça. 117 degrés. Ah putain, et puis ces vibrations dans le train avant. Ah ouais.
tous les coups, il n'a plus de liquide de refroidissement. Non. Voilà, comme ça, c'est sûr, elle va beaucoup moins bien rouler. Don't buy it, my friend. What? Don't buy it, my friend. What? When I was driving, I had this light. Yes. Like engine too hot. The thing is, if he rode with that problem, it's not good. You know that it's really not good when the engine is too hot. It's your decision, but if it was me, I would not buy it. He doesn't know anything about motorbikes. And yes, there is something wrong also with the brake. Yes, definitely. Là, franchement, les amis, quand tu vois ça comme ça, on dirait vraiment Amsterdam, quoi. Je te jure, cette ville, elle me fait trop penser à Meudon. Tous les bateaux qui sont là sur le quai. T'as des bars un peu partout. Il manque plus que juste les. Peggy 18. Ah, tu sais très bien ce qui manque, hein. Cochon. <va. rire> Qu'est-ce que tu fais? Putain, fatigué là, sérieusement. Later. Olivier! Attention! Look at my plate. Qu'est-ce qui nous a fait le rouleau de printemps là? What the fuck? Yeah, maybe. Oh shit. You can straighten it out. Huh? You can straighten it out with a hammer or something like that. Yeah. A few moments later. Là, je vais finir par paumer ma plaque, moi. On déconne. My license plate was like this. Yes. So it's okay now. I heard again. Bam. That's why I stopped. Let's go. Ouais, sur une bosse, je crois que je suis allé un petit peu trop fort et du coup la plaque elle a touché le pneu et j'ai entendu un pas, tu vois, comme ça. Mais au début j'ai pas capté que c'était ça, tu vois. Et c'est en s'arrêtant un peu plus loin avec Oliver que je me suis rendu compte que ma plaque
a été comme ça, tu vois. Donc faut que je la resserre un petit peu. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'il y a une bosse et que je passe un petit peu vite dessus, bah ça touche le pneu et du coup la plaque elle se rabat complètement. Donc là, là il n'y a pas mieux pour se faire arrêter, tu vois. Donc on va aller régler tout ça. Une fois la balade terminée. Oh là là les amis, ça fait du bien de retrouver le petit monstre. Par contre il est crade de ouf. Je sais pas si vous verrez bien la GoPro. Faudra que je l'emmène faire un petit tour au Karcher. Donc là le programme de la matinée c'est d'aller dans une concession Kawasaki Triumph. Et ils font du Honda aussi. Pour que je puisse remplacer mon kitchen qui est vraiment HS. Il a des points durs de partout. Il est tout rouillé. Parce que bon forcément faut pas oublier qu'on est à côté de la mer ici. Donc la rouille c'est assez commun. Et comme je sais pas trop combien de temps il a le kitchen, on va le changer. Donc on va voir déjà si c'est possible qu'il le fasse. Surtout que moi tu sais j'ai des multiplications particulières. Genre je sais pas si c'est en moins 1 plus 2. Mais bon t'as compris le délire tu vois. Genre je sais pas si c'est sur la couronne ou si c'est sur le pignon sorti de boîte où ils ont retiré une dent. Mais du coup j'ai pas la démultiplication d'origine. Donc c'est pour ça que j'ai un speed dealer sur la moto. Mais par contre je ne sais pas. Voilà je ne sais pas en quelle démultiplication je suis. Donc du coup je vais essayer de leur demander au mec là. Savoir hé les gars s'il y a moyen que je sache en quelle démultiplication je suis pour pouvoir recommander le même kitchen. Moi ça me va très bien les frérots. On va faire gaffe parce que je sais que des fois ils peuvent se mettre aux jumelles ici. C'est limité à 70. Et les flics ils se mettent souvent aux jumelles en ville. Je les ai vus 3-4 fois en ville avec les jumelles. Donc là on est samedi. Il fait beau. Donc on va faire attention. Hein. Pas trop envie de prendre une amende de Batman. Les amis, vous avez été assez nombreux à me demander de vous refaire un petit tour du garage pour voir s'il y avait des nouvelles, enfin de nouveaux véhicules. Donc t'as la nouvelle, cette petite R6 vert kaki mat avec une selle aussi confortable qu'un fauteuil visiblement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, Mitsubishi Lancer frérot. Oh là là, ça c'est le feu ça. Oh, Estonie. Oh là là. Elle est énervée avec les ailes bombées là sur le côté là. C'est ma préférée des lanceurs celle-là. Les anciennes. Magnifique. Oh. Cadillac. Ah la longueur de la voiture quoi. Incroyable. le van Volkswagen là. Je sais plus comment il s'appelle ce van. Vieille. Oh, et vieille voiture là. C'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est. Une vieille Alfa Romeo. VBX, c'est quoi ça? Tonus. Ok, d'accord, très bien. Putain, mais la Lancer là-bas, frérot, elle me titille, hein? Clairement. Une vieille Volvo. Une vieille AMG. J'aime beaucoup cette Mercedes en mode, tu sais, hip, archi rabaissé. Ça, c'est le muscle car de l'enfer, frérot. La taille des pneus à l'arrière, mon gars, celle-là doit lever à chaque accélération. La Ferrari de Magnum. Petite Mini, puis voilà. Hein. Puis un petit Opel, je crois, ici. Puis la fameuse Ford qui est en pleine réparation, visiblement. J'avais discuté un peu avec le proprio, super cool. Puis une vieille américaine, là aussi. Hein. Voilà, les amis. J'espère que ce petit tour du garage vous a plu. Quand il y aura des nouveautés, évidemment, je vous referai un petit update. That so much. You too, motherfucker. You too.